qui seront certainement éliminés au plus tard, au mois de janvier-février. Et à ce moment-là, Alger sera la première capitale africaine, arabe, peut-être méditerranéenne, à n'avoir aucun bidonville. On s'occupera par la suite de tout ce qui est vieux bâti, Bina al-Hesh, comme on l'appelle, et puis ça permettra à Alger de reprendre sa splendeur méditerranéenne telle qu'elle a toujours été.